RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, on va reparler sport et des JO et notamment de la très belle performance de Maxime Grousset. Ah oui, parce que notre invité ce matin est Cyril Huette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuel secrétaire de la Ligue de Natation, mais vous avez été pendant 20 ans l'entraîneur du CNC jusqu'en 2013. Vous avez vu arriver Maxime Grousset hein, lorsque vous étiez encore entraîneur au CNC. Il avait 13-14 ans. Est-ce qu'on décèle déjà le futur champion chez un jeune qui arrive comme ça dans les bassins? Alors, le niveau olympique, on le décèle pas tout de suite, mais le très bon niveau et l'envie de gagner, oui, on le décèle très vite. Oui. Et c'est un garçon qui avait ça en lui? Oui, bien sûr. Il a toujours été présent et volontaire aux entraînements. Il donnait le meilleur de lui-même, donc, et puis il avait des objectifs bien précis. Alors, hier, on vous a vu en compagnie du président du CTOS, notamment Christophe Dabin, sur les quais devant les écrans géants installés pour suivre cette finale olympique du 100 mètres nage libre. Vous n'auriez manqué ça pour rien au monde? Ah oui, bien sûr. Dès les séries, moi, je peux vous dire, ça commençait déjà aux Euros au mois de mai, ensuite les France et ensuite les JO. Voilà. Non, on va pas louper ça. Non. Alors, vous l'avez signalé, hein, Maxime Grousset a fait une année 2021 assez exceptionnelle. Pour la première fois de sa carrière, il est descendu sous les 48 secondes, ce qui sur un 100 mètres nage libre est déjà un bel exploit. Qu'est-ce qui fait qu'une année comme ça, on explose les records, on se met à performer là où jusqu'à présent, on était un très très bon nageur, mais on n'avait pas encore acquis cette stature? C'est la motivation, c'est l'objectif des JO qui, avec son entraîneur, ils ont programmé ça, ils ont tout fait pour atteindre des objectifs chronométriques. Et en fait, c'est le fruit d'un travail entraîneur-entraîné et d'une collaboration vraiment importante. C'est le fruit d'un travail de plusieurs années, c'est-à-dire que c'est pas les quelques mois avant les JO que les choses se jouent. Ça a commencé dans les bassins du CNC. Oui, toujours avec Eddy, Nicole, Philippe, tous les entraîneurs du CNC avec qui on fait évoluer tous les petits qui arrivent à 15 ans, 16 ans, arrivent pour partir des fois en métropole pour nager et puis. Mais quand même, c'est quand même cette année que c'est le grand saut. Alors, vous avez entraîné un certain nombre de nageurs hein, dans votre carrière. Certains sont partis en métropole. Quel est le rôle de l'entraîneur par rapport à ses choix? Il travaille avec la famille parce qu'on sait qu'un gamin de 15, 16, 16 ans, 17 ans qui part en métropole, c'est un choix qui est parfois difficile. L'entraîneur a son mot à dire aussi de temps en temps? Oui, il a son petit mot à dire, mais c'est surtout la famille qui décide. L'entraîneur dit, ça serait bien qu'il parte en métropole pour atteindre ses objectifs. À un moment donné, c'est la confrontation qui est importante et la famille décide si ils ont envie, s'ils n'ont pas envie. On a eu les deux cas et après, on fait des choix. Alors, cette finale, on va revenir sur cette finale du 100 mètres nage libre de Maxime Grousset, 47-71, hein, 72 pour être très précis. Quatrième temps, alors on peut se dire la quatrième marche du podium, c'est la plus mauvaise, bien évidemment, mais dans le cas de Maxime, on peut s'en satisfaire. Ah, tout à fait. C'est déjà atteindre la finale, c'était l'objectif. Et c'était pas gagné. Et comme il dit Maxime, quand on a une ligne, on peut tout faire. Et puis il a fait une quatrième place, très belle quatrième place, avec une finale la plus relevée qu'il ait jamais eu au JO. Donc il est parmi les grands. Quand vous dites la plus relevée, c'était la plus rapide aussi? Ouais, la plus rapide. Record olympique pour le premier, le temps du troisième, c'est le meilleur temps, le temps du huitième, c'est le meilleur temps. Les qualifs, les séries pour se qualifier, 47-82, on n'a jamais vu ça. C'était jamais sous 48. Et puis le meilleur temps du 16e temps aussi, pour aller en demi-finale, ça n'a jamais été aussi vite. Voilà. Depuis 2008, depuis Pékin. Est-ce que vous avez été un peu inquiet quand même son début de course? Il a pris un départ prudent, on va dire, et il a fait une bonne partie de son retard dans le retour, hein, sur le deuxième 50. Est-ce que vous avez dit il va pas y arriver? J'ai pas été inquiet pour la finale. Parce que oui, c'était fait. Oui. Mais je vous avoue que les séries, les demi-finales, quand on voit qu'il finit cinquième de la première demi-finale en 47-82, on se dit, cinquième temps, on se dit, il y en a que trois qui doivent faire le temps derrière, alors qu'on voyait qu'on voyait les noms hein, derrière. Et puis en fait, c'est passé. Et puis après, il s'amuse, après, c'est du plaisir et de la joie après. On sait que ce type de performance, qui est très suivi évidemment en Calédonie, va peut-être attirer aussi des jeunes vers les bassins. Ce sont des exemples, des cas comme Maxime Grousset aujourd'hui, pour toute une jeunesse qui se dit, moi, du coup, ça me tente de faire de la natation. C'est ce qu'on espère. Il y a toujours des retombées au niveau des écoles de natation, dans les piscines ou quoi que ce soit. Après, la natation est très bien implantée en Nouvelle-Calédonie. Il y a des staffs professionnels un peu dans toutes les piscines. Donc,
ça fonctionne très bien. Donc on espère avoir d'autres enfants, d'autres bambinos qui vont arriver pour essayer de faire le parcours idéal pour eux. Alors on va parler d'un autre athlète calédonien que vous connaissez bien, vous l'avez entraîné de longues années, c'est Lara Grandjean. Lara Grandjean qui va courir le 5 août, je crois, c'est pas une finale puisque c'est la course en eau libre, hein, c'est un 10 km en eau libre. Mais... Être au JO, c'est la finale. Être au JO, c'est la finale. Elle a fait un choix courageux, oui, sans doute, pour passer du bassin à l'eau libre. Vous comprenez ce choix qu'elle a fait, Lara? Ah oui, tout à fait. Depuis toute petite, elle est ménagée en mer. Et en 2016, elle est revenue en Calédonie après les JO. Et non, c'était avant les JO, excusez-moi. Et elle en a fait la traversée Farmé des Nouméa. Et on avait prévu une date. Et puis elle nous a appelé pour dire, je reviens en Calédonie, j'aimerais la faire. On l'a décalé la date pour qu'elle puisse le faire. Et elle a super bien nagé. Et puis après, elle s'est inscrite au championnat de France au 25 km où elle gagne pour la première fois. Et puis voilà, c'était le début, quoi. On peut dire que c'est une deuxième carrière pour Lara d'être passée du bassin à l'eau libre. Alors Lara, c'est une deuxième carrière, bien sûr. L'eau libre, c'est complètement différent. Mais elle est restée très mixte. Elle est restée aussi en bassin de nombreuses années. Il y a que cette année où elle a même fait les championnats de France cette année, puisqu'elle était championne de France du 200 mètres papillon cette année. Donc elle est toujours restée un petit peu à ses origines de bassin. Mais l'entraînement, oui, c'est différent. Oui. Qu'est-ce qui change? Ah, le volume. Le volume d'entraînement. Quand vous dites que vous allez faire 60-80 km par semaine, et alors qu'avant vous en faisiez 50, 60, c'est-à-dire que c'est énorme. Et puis le temps passé, les sparring partners d'entraînement, c'est énorme. Alors vous qui la connaissez bien, vous qui connaissez aussi le plateau hein, de cette finale olympique, en fait, de cette course olympique, quels espoirs vous mettez sur Lara Grandjean? Le podium. elle peut vraiment l'avoir, c'est pas simplement. Oui, la dernière confrontation, la vraie confrontation qu'elle a eue en février. Contre ses nageuses, elle a fini 9e, mais à moins de 10 secondes de la première. Elles étaient 9 dans le paquet, et en sprint, au bout de 500 mètres de l'arrivée, c'est le sprint total, et puis ils arrivent en groupé, et elle était dans le paquet. Et elle connaît très bien ses adversaires, elle a pris de l'expérience depuis de nombreuses années sur cette épreuve. Moi, je pense que si le finish se déroule bien, elle est sur la boîte. Hein. J'en reviens, on suivra évidemment la course de Lara Grandjean, ce sera donc le 5 août. J'en reviens sur Maxime Grousset parce qu'il n'a pas tout à fait terminé les JO, il reste encore le 50 mètres encore. Faut pas oublier, oui. Voilà, le 50 mètres, aujourd'hui qu'il est un peu libéré d'une certaine pression finalement parce que sa performance est remarquable, est-ce que ça peut lui donner encore plus d'allant pour le 50 mètres et peut-être le décoincer encore un peu plus si jamais il était un peu coincé dans sa tête, ce qui ne semble pas être le cas. Non, il n'est pas coincé du tout, non, il vit ses jeux avec plaisir et émotion, donc c'est ça qui est important. Et le 50 mètres, c'est... Alors je sais pas, je suis pas dans sa tête, hein, mais oui, quand on a fait déjà un premier objectif, c'est plus facile derrière de nager en étant plus confiant, mais il faut pas être trop confiant. Voilà, c'est tout. Cyril Huette, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce plaisir. Matin. Vous allez suivre évidemment tout ça de très près. Oui, on continue. Bon, on va essayer de garder un peu de voix quand même. Voilà, c'est ça.